Dès les premières heures, les clients étaient très nombreux dans les rues du village des Marques, avides de découvrir ce nouveau site. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ce matin ? Pour découvrir le nouveau lieu, tout simplement. On en a entendu parler dans les médias. Et du coup, on est venu voir ce nouvel outlet dont on entend parler maintenant depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui ? Parce que ça valait le coup, qu'il y avait pas mal de marques qui me plaisaient. Et du coup, je voulais voir si je pouvais faire des affaires aussi. Ce nouvel équipement commercial est gigantesque, plus de 20 000 mètres carrés. Il proposera toute l'année des rabais d'au moins 30% sur des articles de mode de la saison précédente. Ici, il n'y a que des marques haut de gamme. Là, nous ouvrons aujourd'hui avec 69 marques exactement. Et dans les semaines qui viennent, assez rapidement, vous pouvez voir, il y a beaucoup de vitrines qui annoncent arrivée prochaine de nouvelles marques et jusqu'à la fin de l'année. Et puis, ça va continuer. Ce village des Marques espère attirer à la fois les clientèles normandes et franciliennes. Il est situé à 15 minutes de Giverny et à 45 km du cœur de Paris. Les objectifs commerciaux de MacArthur, c'est environ 2 millions de visiteurs à l'année. Je pense qu'ils seront au-dessus de cette ligne qu'ils se sont fixés. Ce que les élus espèrent, c'est que ce lieu sera une locomotive pour attirer plus de touristes dans le département de l'Eure. Pour l'instant, les accros du shopping sont ravis. Aujourd'hui, à côté de chez nous, on peut se déplacer et venir ici directement et avoir tout à portée de main. Pour faire taire les opposants au projet, à commencer par les commerçants des communes du secteur, le promoteur avait promis de créer 700 emplois. 600 ont déjà été pourvus et 70% d'entre eux concernent des habitants de l'Eure. C'est le cas de Julie. C'est un très beau centre qui vient d'ouvrir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Ça va vraiment faire bouger notre région. Le village est situé à un emplacement stratégique en bordure de l'autoroute A13, un axe majeur emprunté chaque jour par 46 000 voitures.